Ok, parfait, nickel, merci. Bon. Ok, yes. Bon, coup, on est parti pour Gerudo et Gwazon. Et Gerudo qui sort son Meta Knight des grands jours. On est sur les persos qui sont assez. Ça va bourrer. Du coup, oubliez la notion de neutral dans ce jeu. Et oui, là, ça pardonne pas Meta Knight, les Edgeguard. Enfin, les Loftel surtout. Le son du jeu est un peu trop fort. Comment on baisse le son du jeu? Je peux pas trop vous aider sur ça. Écoute, je demanderai tout à l'heure à Mika. Donc là, on essaye de reprendre l'avantage côté Gwazon au pourcent. C'est un peu serré. Ok, c'est bon. Mika le maire. Si Poco pour les retours. Donc là, on a l'avantage de Gwazon, mais c'est peu vite récupéré. C'est Traco, le frère de Ricker. Ecker. Oh, la puniche qu'a loupé de Gwazon, on aurait pu récupérer en montée facilement. Dommage. Il a tenté la puniche, bim, mais c'est ça, ça n'a pas marché, ça va. Il a gardé son saut. Notre cher ami Gwazon, il peut remonter. Ouais, ça n'a plus trop marché ce. Alors, c'est pourcentage, mais le 7B qui récupère le kill. Donc là. Là, on cherche ouverture. Gwazon chope pas avec la grab. Attention, oui, aïe, aïe, ça va être du. Ouais, non, c'est. Et bien sûr, le petit Gerudo qui. Le petit troll de Smash. Oula. Ça va chercher, attention. Hop, 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 ouais, non. Aïe, 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 non, ça va être dur de remonter. Oh, Gerudo qui a tenté un truc, mais ça a pas marché. Oh, bien joué, ça, gauche. Je sais pas si c'était du pif de la part de Gwazon, mais il a récupéré l'attaque de Pablo. Non, mais Gwazon, s'il te plaît. C'est un type de counter qui n'a pas marché parce que je pense que Gerudo l'a vu venir à des kilomètres. Du coup, on va reprendre. Est-ce qu'on va rester sur les mêmes persos que les deux côtés? Ah, on part sur un Kazuya côté Gerudo. Tac. Merde. Et y'a Terry. Terry. Tatata, qui est où sur le truc, Terry? Tac, voilà, on met à jour. On est reparti. Donc, premier avantage pris par Gwazon. Oula, attention, le combo Kazuya, Book électrique. Et ça rep... Inerte! Inerte! Inerte, tu viens caster avec moi? Il y a Inert qui va nous rejoindre au cast. Le premier avantage pris par Gerudo à Kingstock et Gerudo, je ne sais pourquoi, il ne se SD. Vas-y, prends place. Oui. Allez, un peu le upper. Il y a un deuxième micro. Oui, attends, là-dessous, là, il y avait un casque. Vas-y, récupère le casque. Ouais. Non, mais c'était un match de tournoi. Oui. Ah, merde. Ah, je les ai interrompus, les pauvres. Bon, de toute façon, on s'en fout. On sait que Gerudo, on sait que Gerudo va gagner. Donc. Le Buster Wolf, bien sûr, piffé, je parie. Mais bien sûr, il a le go, il va piffer. C'est obligatoire. Hop, là, trop kiki, bien sûr. Classique. Allez, là, ça, là, ça fait les footsies. Ah, mais non, tu vas te faire whiff punish. Allez, il se prend l'électrique. Voilà, ah, non, hop, ouais, boum, boum, voilà, 52% gratuit. Allez, la petite séquence, oui. On fait la toupie Blade Blade. On fait le petit nerf qui sort frame trop rapide. Oula. Attends, c'est... Yep. Dans la frame data du Electric Queen Godfrey sur Tekken, c'est 15 frames. Non, c'est oui. 14. Non, c'est un punish 14 frames. Donc, ouais. Il sort à combien dans Smash? Aucune idée, mais
assez rapidement, parce que je vois quand même souvent des vidéos où genre le torrent pack. Ça bourre le barnacle en neutral. Ouais, allez, ça essaye de rattraper avec le hop kick, mais ça touche pas. Allez, Goison, on y croit, ça peut. Allez, tout... ça wave dash. Eh non, hop, même, le... Allez, même pas besoin de wave dash. Hein. Le petit pied bouche. Direct en critique les casters. Pierre Goison, t'avais qu'à mieux jouer, non? Littéralement, Terry Bogard, tu fais crack shoot et c'est bon, t'as gagné. Comme elle a dit un mec Smash, tu fais jab jab power dunk et voilà. Oui voilà, ils étaient où les jab jab power?